Donc l'EPS au lycée, on a défini quatre grands enjeux que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans une très belle fiche ressource qui va bientôt paraître sur l'esprit des programmes que j'ai repris là, mais qui va être à destination de tout le monde. Quatre grands enjeux, donc proposer une EPS ouverte vers la suite du parcours post-lycée, et là on est vraiment sur réfléchir à la personnalisation des parcours, à l'éducation au choix des élèves. Il faut qu'on arrive au fait que nos élèves décrochent moins et se projettent davantage en tant qu'élèves du supérieur, mais aussi en gérant leur vie physique dans ce supérieur. Et là, là-dessus, il faut qu'on progresse là-dessus. Donc c'est un des enjeux qu'on a voulu remettre au sein de l'EPS au lycée. Remettre au cœur de l'enseignement les enjeux de formation, je ne reviens pas dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, c'est ce qu'on a perdu un peu avec nos fameux référentiels qu'on enseigne. Donc pour nous, les objectifs généraux, par exemple, c'est ce qui doit nous guider. On a cinq objectifs généraux, il faut qu'on les ait toujours en mémoire. Et comment on les incarne et comment on les fait vivre. Accroître la liberté pédagogique des équipes, ça vous l'avez compris, c'est forcément dans notre tension, on se dit qu'il faut que les équipes aient davantage de choix, parce que chaque situation, chaque contexte est bien spécifique. Donc il faut qu'on laisse du choix aux équipes, qu'on vous laisse du choix dans les équipes, tout en maintenant un cadre national commun. L'attention nationale, locale, culture commune. Le cadre national commun, il nous permet deux choses. Il nous permet d'être lisible à l'extérieur. On a encore des progrès à faire, on l'a vu. Mais il nous permet aussi d'être cohérent sur le cursus. C'est-à-dire que là, notre finalité, le cadre national, c'est une finalité, nos cinq objectifs, nos cinq champs d'apprentissage. Ça, c'est un cadre général commun. D'accord ? Qui traverse tout le cursus d'un élève depuis la scolarité obligatoire, le cycle 2, jusque... parce que le cycle 1 maternel, on est encore... C'est pas exactement la même chose, mais du cycle 2 jusqu'au bac. Donc ça, c'est important pour la lisibilité, d'avoir cette cohérence. Et il se trouve que nos cinq objectifs généraux, du coup, se retrouvent calés avec les cinq compétences générales des collèges. Bon, ça, c'est pas très malin parce qu'on ne les a pas appelés de la même façon. Et bon, vous avez repéré, on n'a pas vraiment eu le choix. Je pense qu'au moment du programme collège, on aurait pu faire mieux. Mais bon, c'est comme ça. Vous avez bien vu que ça s'appelle des compétences générales au collège et ce n'est plus ni moins que les objectifs généraux au lycée. Mais les dénominations sont quand même très, très proches. Et ça nous fait penser à un débat qu'on avait eu au collège. Donc je crois d'ailleurs que c'était quand j'étais venue en 2015, les programmes collège étaient pleins de sorties, c'est ça. Et certains parmi nous ne voulaient pas qu'il y ait de compétences générales. C'est-à-dire, se disaient, l'EPS est contributif du socle et constitutif du socle. Donc pourquoi rajouter quelque chose spécifiquement à l'EPS, les domaines. Voilà, prenons les domaines du socle et regardons comment l'EPS peut y contribuer. Voilà, et puis dans les champs d'apprentissage, voilà comment ça se décline. Et certains autres parmi nous avaient plutôt milité pour dire gardons quand même quelque chose d'un peu plus spécifique. C'est-à-dire qu'est-ce que l'EPS peut apporter spécifiquement à ces domaines-là par les compétences générales. Et avec le recul, je pense qu'on a eu raison de garder ça. Parce qu'on ne sait pas comment le socle va évoluer. Et là, notre cadre du coup théorique est presque pas indépendant du socle, mais il est quand même plus autonome. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais avec le recul, je pense qu'on a eu raison. Et là, je n'engage absolument que moi. On n'a pas discuté. Alors, les principales évolutions, c'est pareil. Hein. Vous les connaissez, donc on ne va pas les prendre. On en a repéré quatre. On est passé de 3 à 5 objectifs généraux. Ça peut paraître anodin, mais on voit très bien comment les anciennes compétences méthodologiques et sociales ont changé de statut. Elles sont montées au rang des objectifs généraux, ce qui veut dire que nous tous, tout le temps, c'est un cap qu'on doit se fixer.
Le savoir s'entraîner, il est transversal aussi à tous les champs d'apprentissage. Ça a été à un moment une demande de la profession. Donc, ça va dans le sens de se dire le savoir s'entraîner, ça ne concerne pas que le champ 5. On doit apprendre à s'entraîner, à maîtriser les outils pour pouvoir s'entraîner dans tous les champs. Donc ça nous permet le lien avec la scolarité obligatoire, je n'y reviens pas, je viens d'en parler. On est passé aussi de 5 compétences propres à l'EPS plus 3 compétences méthodologiques et sociales à 5 champs d'apprentissage. Comme leur nom l'indique, les champs d'apprentissage sont des champs pour apprendre, dans toutes les dimensions motrices et non motrices. La grosse différence, c'est qu'avant on avait des CMS et des compétences propres, un CP, CP-CMS. Et donc on pouvait se dire, quand on construit les CP, on est dans le moteur. Et du coup, les CMS sont à côté. Mais là, on ne peut plus dire ça. Le champ d'apprentissage, il rassemble et il doit être porteur de toutes les dimensions, motrices et non motrices. Et là, ça paraît anodin, mais c'est une vraie bascule dans la mesure où on se dit, on arrête de saucissonner entre moteur et non moteur. C'est dans ce champ-là, dans ce contexte, je vais y revenir sur le champ d'apprentissage, dans ce contexte-là, on va apprendre, on va construire des compétences, on va apprendre, on va avoir des connaissances, des capacités, des aptitudes, et on va construire des compétences dans l'ensemble du champ, sur toutes les dimensions. Troisième nouveauté, enfin évolution, on a des attendus de fin de lycée ou de fin de lycée pro. On n'a plus de repères annuels, on n'a plus de niveau 3 en seconde, de niveau 4 en première et terminale, ou de niveau 5 en option. Donc ça, c'est un choix. On a laissé les points de sortie. Le point de sortie, il est clair. Il y a 3 AFL, 3 attendus de fin de lycée, 6 AFLP. Mais tout le reste, les étapes à construire, c'est à vous de le faire. Laissez plus de liberté et d'initiative aux équipes. D'accord ? Et là, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que là, les équipes de lycée vont avoir du travail pour se mettre d'accord. Et puis, il y a des nouvelles offertes pour le parcours de formation de l'élève. Il y a la fameuse activité de création artistique, donc en seconde. Je dis fameuse parce que c'est souvent... on en parle beaucoup dans la littérature. Le passage, forcément, en champ d'apprentissage 5. Et les 5 champs d'apprentissage, etc. Bon. Donc parlons des champs d'apprentissage. Nous, on l'a défini. On l'a défini puisque c'est une construction institutionnelle. N'allons pas chercher derrière champs d'apprentissage une assise théorique, scientifique. Il n'y en a pas. Quand vous tapez champs d'apprentissage sur Google, vous tombez sur quoi ? Sur les programmes EPS. Enfin... L'autre fois, on a testé, c'est ce qui s'est passé. Donc, les champs d'apprentissage, en dehors de nos programmes, ça n'existe pas. Enfin, il ne faut pas aller chercher des justifications scientifiques au-delà de ce qui nous arrange et de ce qui nous fait fonctionner. Et le champ d'apprentissage, c'est la notion qui organise le parcours de formation de l'élève en EPS. On l'a défini comme étant que... par le fait que chaque champ confronte l'élève à une classe de problèmes à résoudre, à des pratiques scolaires typiques de ce problème, et il suppose des apprentissages moteurs et non moteurs spécifiques. Et là, on voit bien comment les deux moteurs non moteurs sont articulés. On peut reprendre la phrase dans l'excellent rapport d'un programme recours, « Les pratiques physiques réunies dans chaque champ d'apprentissage partagent la même intention principale. » Donc c'est une construction qui permet tout de même, dans notre idée de l'EPS inclusive, de proposer aux élèves des classes de problèmes, des situations, vous voyez, qui sont diverses et variées et qui les confrontent donc à des problèmes qui peuvent peut-être, dans lesquels ils peuvent plus ou moins se révéler. Et donc, nous, on aurait pu en trouver d'autres, on aurait pu en choisir d'autres, c'est évident. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Mais en tout cas, c'est le compromis
qu'on a trouvé le meilleur pour à la fois, encore une fois, s'adosser aussi au programme de collège, mais on avait fait exactement le même raisonnement sur le programme collège, et en se disant, voilà, c'est suffisamment macro pour permettre d'organiser le parcours de formation. Alors, pourquoi un élève doit-il faire de l'EPS ? C'est un beau sujet aussi, ça. La finalité. La finalité, vous la connaissez tous par cœur. Les 5 objectifs généraux. La motricité, je ne vais pas les reprendre un par un, mais la motricité, elle ne fait pas débat. Il n'y a pas d'autres disciplines qui s'occupent trop de motricité. Donc là, on est plutôt bien. Voilà. La santé, j'en ai parlé tout à l'heure, ça ne fait pas débat non plus. Heureusement qu'il y a l'EPS pour que nos élèves soient en bonne santé. On a bien vu que c'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, il faut mettre d'autres choses, en tout cas, que l'engagement physique. Accéder au patrimoine culturel, là, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est un élément qu'il ne faut pas oublier dans notre raisonnement. C'est quoi l'accession au patrimoine culturel ? Pour la petite histoire et l'anecdote, on coupera peut-être, quand on a reparlé des programmes avec le CAB, le conseiller au CAB m'a appelé, m'a dit « C'est quoi le patrimoine culturel ?» Alors lui, il voyait le patrimoine comme Stéphane Bern. Quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez comme patrimoine ? Ben, non, je vous assure, c'est vrai, hein, enfin, j'ai mon collègue là. Voilà, à peu près, on a le Stade de France, mais non, je ne suis pas allée. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Et nous, c'est tellement ancré dans notre lexique, quoi, patrimoine culturel, évidemment, que ça correspond à... C'est immatériel, c'est des activités sportives, mais c'est pas que le règlement des activités sportives, c'est tout ce qui nous permet de vivre. C'est la tranche de vie, justement, qu'on peut avoir d'un sportif à ce moment-là. Mais c'est juste pour vous dire que, des fois, on est habitué à se parler comme ça, et derrière, les gens ne mettent pas les mêmes choses. Donc nous, on est bien d'accord que le patrimoine culturel, c'est tout ça. Et ça fait partie de nos objectifs généraux. Ces éléments-là sont à peu près acceptés et sont à peu près clairs dans la majorité des esprits, on va dire, y compris extérieurs. Mais ce qui est important, c'est que l'EPS... C'est pas ça ou ça, c'est vraiment l'équilibre de ces 5 objectifs. Et c'est l'équilibre de ces 5 objectifs pour tous les élèves. Parce que notre grande particularité, c'est quand même qu'on ne peut pas refuser d'élèves, nous. Hein. L'EPS, elle est obligatoire. Donc potentiellement, on a nos 12,5 millions d'élèves en EPS. D'accord ? L'équilibre, ça ne veut pas dire l'égalité. Ça ne veut pas dire qu'on fait tous la même chose à égalité de portions, si j'allais dire, ou que chaque objectif doit avoir le même poids. Nous avions un ancien doyen, Alain Hébrard, qui lui disait que développer sa motricité, par exemple, alors c'était à l'époque où il y en avait 3, hein, d'accord ? Développer sa motricité, c'était prioritaire dans le premier degré. Accéder au patrimoine culturel, c'était prioritaire dans le collège, et que construire durablement sa santé, alors ça ne s'appelait pas tout à fait comme ça, mais c'était quand même le même esprit, c'était plutôt pour le lycée. Pourquoi pas ? Il avait conceptualisé comme ça, et il disait, ces objectifs-là, ils n'ont pas le même équilibre partout et tout le temps. Et de la même façon, selon vos spécialités, vos spécificités de contexte, eh bien vous n'allez peut-être pas activer à la même hauteur ces différents objectifs. Mais en tout cas, à un moment, il faudra que l'élève ait été confronté et pu construire des compétences qui vont dans ce sens-là. À une époque également, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais je vais peut-être remettre ça à la grecque, on nous posait à la fin de la leçon d'agrec, vous savez, la question qui tue, en quoi votre leçon d'EPS est dans, en quoi la leçon que vous venez de présenter est une leçon d'EPS. Vous l'avez eu cette question-là ? Vous l'avez pas eu ? Hein ? Donc on avait cette question. En quoi est-ce une leçon d'EPS ? Donc vous veniez de présenter une leçon, vous aviez évidemment 6h30 derrière, 5h de préparation, 1h. Et là vous disiez, non, mais j'ai bien fait une leçon d'EPS. Et en fait ce qui était attendu, parce qu'après on savait, hein,
ce qui était attendu, c'est en quoi est-ce que votre leçon d'EPS sert les trois objectifs, en gros, hein. C'était motricité, santé, culture. Donc il ne s'agirait pas de penser qu'à l'agrégat interne, on va vous demander la même chose en attendant que dans la même leçon, vous ayez construit les cinq objectifs. C'est ce que je voulais vous dire. Mais en revanche, dans un parcours de formation d'élèves, sur les 4 ans du collège, sur les 3 ans du lycée, il faut un moment que vous vous interrogiez là-dessus. À quel moment est-ce qu'on a construit ça? À quel moment est-ce qu'on a permis de construire ça? Ok? Alors, après le quoi, donc ça c'est le pourquoi en fait de l'EPS. Hein. Après le quoi, bah, qu'est-ce qu'on fait? On construit des compétences dans les 5 champs, je ne reviens pas dessus. Et pour construire ces compétences dans les champs, bah, on s'appuie sur ce qu'on a, sur ce qu'on connaît, qui sont les activités physiques, sportives, artistiques. Au lycée général, il y a une liste qui est restée, nationale, très ouverte, très très ouverte quand même, avec en plus une liste académique et une APSA établissement possible. Et puis en voie pro, on a carrément enlevé la liste nationale. Et on doit construire, on a nos attendus de fin de lycée, voilà. Notre feuille de route, elle est là. Votre feuille de route, elle est là. Après le reste, comment vous allez, les choix que vous allez faire, par quoi vous allez commencer, par quoi vous allez terminer, ça c'est vous que ça regarde. Là, ça reprend les attendus de fin de lycée par champ. Au programme lycée général et technologique, on a rajouté un point sur quelques éléments qui nous paraissaient incontournables à acquérir pour atteindre les AFL, qui peuvent organiser la réflexion des équipes. Les points clés des nouveaux programmes que j'ai synthétisés comme ça, il y en a 4, hein. Autonomie des équipes pour construire le parcours, savoir s'entraîner, ça c'est un autre point clé, il ne faut pas qu'on le loupe celui-là, ça veut dire quoi savoir s'entraîner dans les différents champs d'apprentissage. Cadre général, les 5 CA, les AFL, AFLP, passage obligé par le processus de création artistique, ça c'est un point clé aussi, on va mettre de la formation. Bien sûr qu'on ne va pas y arriver du jour au lendemain. D'ailleurs, ceux qui ont lu l'article ont pu le voir. Le premier élément, j'ai dit de quoi ont besoin, ils ont besoin de temps. On a besoin de temps. On ne va pas du jour au lendemain dire les programmes avant c'était ça et maintenant les inspecteurs le savent ça. Ils ne vont pas attendre dès l'année prochaine, dès cette année, tous les élèves en création artistique, en danse, en seconde. Non, on sait bien que ça ne va pas se faire comme ça. On va mettre de l'information, on va créer les conditions. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on ne va pas y arriver tout de suite qu'il ne faut pas se donner cette ambition-là. Et ce processus de création artistique, on nous le reproche un peu parce qu'on dit « oui, mais on aurait dû mettre danse et art du cirque, etc. » On a voulu être plus ouvert. Et moi, je trouve que c'est quand même un faux procès, enfin, c'est mon avis personnel, hein, parce que les APSA, elles existent depuis très longtemps. Hein, le terme artistique, c'est depuis les années 80. Bah, malgré tout, elles ne décollent pas. Elles ne décollent pas. Je vais vous montrer tout à l'heure la danse. On n'arrive pas, donc tant qu'à faire, autant se dire, bah, en lycée, bah, on va essayer de mettre la focale là-dessus. On verra bien, on regardera ce que ça donne. On évaluera et on régulera. Et un passage par un temps long en CA5. Et le quatrième point dont je n'ai pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais il y a un des points clés qui est à un moment, il faut que les élèves soient éduqués au choix, donc il faut qu'à un moment on leur apprenne à choisir. Il faut qu'ils soient confrontés à ça, puisque c'est dans la réforme du lycée. Ok ? Donc je reprends une petite phrase de l'article, je m'autocite, c'est très mal poli, mais c'est parce que ce sur quoi je veux insister, c'est que l'EPS dans le 21e siècle, ce n'est pas les programmes qui le définira, c'est ce que vous en ferez, et donc du coup les curriculums d'apprentissage proposés par les enseignants aux élèves. C'est quand vous allez basculer dans ce que vous apprenez aux élèves.